Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Pyro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bras de fer. Alors le bras de fer de cette semaine, qu'est-ce que c'est ? Oh, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. À chaque tour, si vous perdez plus de 3 points de vie, un serviteur aléatoire se joint à vous. Ah, on va faire démoniste. On va créer un deck démo. Je pense que ça peut être pas mal. Et il faudrait essayer de mettre du soin surtout. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on va faire un peu le deck poney. Tiens. Parce que on aime bien notre petit deck poney. Donc, il nous faut de la pioche. Il nous faut donc les poney. Voilà. On va prendre un ça. On va prendre tout de suite les deux poney. On va prendre les petites légendaires qui vont bien. On va prendre lui. Alors lui, c'est juste parce que quand il subit des dégâts, en fait, pendant notre tour, il gagne +2/+2. Donc vu que là, le but, ça va être un peu ça. Et on va venir se mettre donc toujours du heal. Pour les cartes qui ne sont pas démons. Enfin, c'est fini. On va mettre celle-là. Et après, on va aller chercher. Donc, de ce côté-ci, on va mettre ça. Parce que le but, en fait, va être de s'infliger des dégâts. D'accord? Et de se heal aussi. Donc, on va mettre ça. On peut mettre quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut bien mettre? On va mettre celle-là. On va mettre du silence. Mince, je suis déjà à 30. Voilà, mais ça va tellement vite. On va enlever une là. On va enlever un guetteur. Et on va enlever même... Même les deux infernales, on va les enlever. On va les enlever et on va aller chercher donc le robot de soin. Voilà. Après, en soins intéressants, il y a celle qui fait exaltation aussi, qui peut être pas mal. Le soigneur avec exaltation, si je mets exa. Voilà, celle-ci. Donc, en fait, celle-ci, pour un deck démoniste, elle contre, en fait, le problème, hein. On va mettre le... Mince, je sais plus son nom. En légendaire. On va mettre deux légendaires encore. Tout simplement, le baron, voilà. Et on va venir mettre une petite Dr. Boom qu'on aime bien. On va essayer ça tout de suite. C'est parti. Donc voilà, encore une fois, hein, j'ai fait un deck un peu à la zeub. Clairement, donc on retrouve juste un peu la mécanique des poneys. Apparemment, c'est quand on prend donc 3 points de dégâts, on a un personnage donc qui apparaît. Je ne sais pas si c'est 3 points de dégâts aussi bien sur les serviteurs que sur nos points de vie. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de heal, parce que ça va être un peu le but de prendre des dégâts et de pouvoir se soigner derrière. Voilà, directement un poney. Là on est déjà très bien. On va garder ça. Donc, vous voyez, hein, je pense que je suis pas le seul à avoir pensé au démoniste pour donc s'infliger ces petits dégâts. Hein, donc c'est pour ça qu'on est là directement contre un autre démoniste. Ouais, on l'a déjà, donc Mal'Ganis et le Destrier dans la main. Ça, c'est pas mal. Je suis obligé. Mmh.
On va plutôt mettre Sam et Face. On va voir. Parce que là, elle en a pris deux, mais est-ce que si derrière il reprend un dégât, est-ce qu'il va avoir donc son personnage qui apparaît ou il faut qu'il prenne 3 points de dégâts d'un coup? Apparemment, il faut qu'il prenne 3 points de dégâts d'un coup, mais je sais plus si c'est pendant son tour ou si ça peut être en dehors de son tour. On va voir. On va voir. Qu'est-ce que je peux faire? On va chercher la pioche. Ah, ça peut être pas mal ça. Ah, donc là il l'a eu. Sûrement parce qu'il a eu les 4. Donc il a eu le personnage invoqué. Oh, ça c'est parfait. Complètement parfait, donc c'est détruit celui qui pouvait lui donner un bonus, ça lui inflige 2 et tout, c'est vraiment pas mal. Va venir jouer notre poney, que l'on aime bien. Et on va venir chercher lui. Il a encore eu un personnage. Pourtant, il a eu que 2 dégâts à ce tour-ci, hein, donc je pense que c'est aussi sur les serviteurs. Aussi bien sur les serviteurs que sur le héros, apparemment. Ça, c'est à confirmer, bien entendu, mais on dirait que c'est ça. Hein. Ça nous dérange, mais alors pas du tout. On va venir le jouer comme ça. Le deuxième petit cheval qui vient. On va venir taper là-dedans. Ah, au moins un, même pas. Ah, je voulais qu'il en mette au moins un là-dedans quand même. Alors, je ne sais pas exactement qui peut venir sur le terrain. Apparemment, c'est que des 3 de mana. On va voir plus tard dans la partie ce qu'on peut avoir plus ou pas. Il faudra voir. Ah, une pièce, il va nous invoquer un 6. D'accord. Alors lui, il est vénère. On va venir mettre le deuxième destrier. Venir se mettre un petit coup de heal et on va aller chercher un face. Ah ouais. Ah oui, là il a eu un peu de chance quand même avec ce petit gangre garde qui vient le protéger. C'est pas vraiment à mon avantage. Alors lui par contre dans sa main il est bien. Il a une carte là. Ça nous dérange pas. On va venir faire ça. Voilà, comme ça on lui laisse un point. On pourra facilement le gérer avec un petit destrier.
Sauf si, bien entendu, il préfère venir chercher notre terreur du vide avant. Mais sinon, ça devrait le faire. Ça nous embête un peu. Sans plus. Ça nous embête déjà un peu plus, parce que là, il y en a deux provocations, il a quand même deux beaux petits morceaux sur le terrain. Là, il nous faudrait une AOE. Et l'AOE qui vient. On va venir donc chercher. Comme ceci. Là. Voilà. On va plus s'infliger de dégâts, hein, parce que. Bon, allez, si, quand même. On va quand même jouer. On verra bien. Bon, la carte, il va pas nous servir pour le moment. Après, clairement, on met Mal'Ganis et on lui rentre dedans, quoi. Il se met à 9. Naxna qui pouvait nous embêter justement sur un Mal'Ganis. Donc ça va pas nous déranger. À part qu'elle peut venir, bien entendu, gérer notre Mal'Ganis. Mais nous, pour l'instant, on va chercher Face. On joue un peu brutalement, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a la bombe derrière, la bombe de matière grise. Parce que là, donc, pour pouvoir gérer un peu, elle est obligée de venir détruire Mal'Ganis. Derrière nous, on lui met la bombe de matière noire en face et on a fini quoi. Même si elle détruit Mal'Ganis et tout ça. Clairement, on n'est pas trop embêté là. Pas face. Elle peut pas détruire les poneys. En gros, là, elle a perdu, hein, clairement. On va quand même lui dire bien joué. Et on va les face. Donc voilà, victoire donc du démo poney encore. Alors nous on n'a pas du tout profité. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs donc comment dire du petit bras de fer en fait, clairement. Si, parce que si on perd plus de 3 points de vie à chaque tour, pourtant il me semble qu'il y a des tours où il m'en a mis beaucoup plus que ça, pourtant je n'ai rien eu sur le terrain, donc je sais pas. On va recommencer, donc toujours avec ce deck là, hein, montrer un peu qu'il est valable. À la fin, je vous laisserai bien regarder si vous voulez la decklist. C'est vraiment basique, hein. Des poneys, du heal et c'est win quoi. Clairement, c'est pas trop compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe? Sérieusement là, ça a bugué? Ah voilà. Je pensais que ça avait bugué. Encore un démoniste, donc vous voyez, ils vont avoir la cote un peu là en ce moment. Allez, il manque plus que le poney et je suis tranquille. On va se retirer du heal. On va garder ça pour l'instant. On a de la pioche pour aller chercher notre poney justement. Ah bah. On a un gros heal. On a. Flop Boom qui vient d'arriver. Clairement, Flop Boom est très très bien. Si on peut avoir donc avec lui, que ce soit un poney ou Mal'Ganis. Alors, la dernière fois, j'ai eu Mal'Ganis avec lui, c'était juste énorme. Un Mal'Ganis à 0, c'est quand même pas mal. Et là, on peut rien faire. On peut rien faire. On va temporiser un peu. On va se prendre déjà des dégâts au prochain tour.
Voilà. Bon, ben, clairement, on va venir utiliser ça. En espérant avoir du poney, du Malganis et un poney, voilà. On est quand même pas très bien là. En début de partie, on a certes beaucoup de heal, hein, on a les robots de soins, on a déjà donc le baron plus l'estrier, on a Mal'Ganis, on a Flopboom. Clairement, on est bien. Maintenant, on n'a rien sur le terrain autour d'eux, quoi. Bon, on va venir chercher lui. Ah, je peux pas finir mon tour, c'est pas mal. Prochain tour, hein, on va destrier, parce que lui, une fois qu'il est sur le terrain, on n'est plus embêté avec lui. Et au tour d'après, donc Baron. Voilà, donc tout de suite, hein, le destrier. Là, ça, si donc il attaque, il va sûrement attaquer mes points de vie. Hein, on va avoir peut-être l'effet du bras de fer qui va se lancer. Ah oui, lui, il fait mal quand même. 5 points au truc, mais c'est un 5-6, quoi. Là, on est dans le mal. Hein. On est dans le mal. L'effet du bras de fer qui ne se lance toujours pas. Que fait-il? On va venir se rendre des points de vie un peu. Et c'est parti pour l'attaque des poneys. Là, il va être obligé de venir chercher le baron. Sinon, il va se faire submerger par les poneys très rapidement. Même s'il peut déjà me faire énormément de dégâts, il peut quand même faire déjà 11 de dégâts. Mais avec les poneys, poney Mal'Ganis, c'est bon, c'est fini. Fini pour lui. S'il laisse faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Clairement, j'adore, hein, Seigneur des Abîmes, il est vraiment sublime. En plus, en doré, elle est vraiment très belle. Alors là, il a fait ce qu'il devait pas faire là. Voilà nos quatre poneys sur le terrain. Ah, ça peut être pas mal aussi. Nous, on va venir se heal tout de suite. On va venir chercher une petite carte encore derrière. Voilà, et là, on peut tout simplement, hein, attaquer un peu tout ce qui se passe. Voilà, on va venir chercher lui aussi. Tout simplement. Et comme on veut garder notre baron, on face. Voyez comme quoi les poneys sont abusés. Hein, on vient quand même de rééquilibrer un peu la partie. Juste avec les poneys. C'est pas mal. Si lui, il se met et il me prend mon Mal'Ganis, moi je suis content. Hein, clairement, on est quasiment vainqueur. Hein, si moi, je m'embrouille dans ce que je dis. On reprend. Donc si j'ai la chance d'avoir ça, clairement, c'est gagné. Là, il peut venir me chercher. Ah, il face pas, hein. Il veut pas face. Ah, bien entendu. Celui qu'il fallait pas mettre, il le met directement. Donc, tout simplement, on va essayer de faire un maximum de dégâts. Donc, on va détruire un peu ce qu'il y a sur le terrain. On va venir tuer lui. Tout de suite, les deux reviennent. Ensuite, on va venir détruire. Donc clairement, j'ai perdu. Je suis en train de regarder. Donc j'ai perdu. Hein. Même si je viens chercher ça, il a encore 12. Donc forcément, il a gagné. Donc oui, bien joué.
et on va le laisser nous détruire. Ça se joue à très peu de choses. Ça se joue à très peu de choses. Vous voyez comme quoi les poneys hein, toujours excellents, hein, qui viennent vraiment faire n'importe quoi sur le terrain. Bon là, l'adversaire a mieux joué que nous ou a eu un meilleur tirage. Sûr que j'aurais préféré que l'alarme prenne autre chose, donc qu'un robot de soin, parce que du coup, ça nous a un peu bousillé notre heal. Mais sinon, on était très bien, clairement. On était très très bien. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder la decklist. Donc voilà pour le bras de fer de cette semaine. Un bras de fer, personnellement, que je trouve pas très intéressant parce que si vous pouvez jouer très rapidement, comme la partie que j'ai fait avant, où vous allez avoir aucune invocation, donc pour le gagner facilement, faites-vous un deck basique. Le démoniste, aussi bien que le poney, hein, mais aussi avec d'autres decklists, il va être très bien, puisqu'il va pouvoir déjà s'infliger lui-même des dégâts pour invoquer, au cas où, si vous voyez que vous avez des petits problèmes. Donc, clairement, ouais, je trouve pas forcément que cette semaine le bras de fer soit intéressant. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bras de fer, sûrement. En attendant, amusez-vous bien et n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit pouce vert, à venir me suivre donc sur les réseaux Facebook, Twitter, à venir vous abonner à ma chaîne et à partager en masse cette vidéo. Pour faire tourner un peu le truc, quoi. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.